Eh mon kebab, tu souhaites avoir des crédits par Starpass ou PayPal pas cher, en toute sécurité? Moi je te le dis, va sur CreditFut, PayPal and Starpass, la page Facebook la plus fiable du moment. Le lien est dans la description. Et bonne vidéo! Ouais les gars, c'est Kebab, de comment ça va? Bah écoutez, bah pour ma part, je vais super bien, même à 3h du matin les gars, on pète la forme! C'est le coca qui fait ça, c'est le coca. Donc aujourd'hui les gars, l'achat-revente pour les nuls, partie 2. Et j'avais dit, genre à la dernière partie, j'allais tenter ce 50 000 crédits de bénéfice. Et je l'ai aujourd'hui, juste en deux parties les gars. En deux parties, 50 000 crédits de bénéfice. Et oui, je le dis, le défi est lancé les gars. 50 000 crédits de bénéfice. Eh ouais les gars, ça veut dire au plus les 50 000 crédits, les joueurs je les ai vendus en 24 heures. Impeccable. En moins de 24 heures, j'ai vendu 50 000 crédits de bénéfice les gars. C'est une dinguerie. C'est dingue, c'est dingue. Vraiment, j'étais bluffé. J'étais dingue. J'étais complètement fou dans ma tête. Je me suis dit 50 000 crédits. En deux parties quand même, c'est juste énorme. Donc, vous voyez que en haut, à gauche, c'est écrit 647 000 crédits. Mais au fait, c'est 550 000 crédits. Vu qu'en même temps avoir listé ces joueurs, juste, allez, 30 minutes après d'avoir listé ces joueurs, j'ai acheté une team à 63 000 crédits. Donc au plus cette la team, hein, je vous l'ai fait voir hein, cette semaine en vidéo. Hein, c'est la team Bundesliga. Donc là, moi, cette vidéo, moi, je la fais. Là, on est quel jour? On est mercredi et 3h. Non, ouais, c'est ça, on est mercredi là. Attends, je sais plus. Moi, avec les vacances, les gars, moi, je vous dis. Non, on est jeudi. Je suis 3h du matin. Jeudi à 3h du matin, donc jeudi à midi. Avec UPD. Ou vers 18h, je sais pas, on verra. Mais voilà. Vraiment, donc, pour la suite de mes vidéos aussi, vraiment, ça va être plutôt pas mal. Il y aura une belle grosse team à peu près à 250 000 crédits. Voire 300 000, ça c'est sûr, avec les joueurs. Ça sera une grosse hybride autour de Reus et de Neymar. Donc Neymar, je l'ai jamais testé. Ça, c'est vraiment pour mon premier avis. C'est plutôt pas mal. Enfin bref, je vais pas tout dire. Mais ma prochaine vidéo, ça va être soit samedi ou soit lundi. Voilà, mais je pense samedi. On verra. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Enfin bref. Dans tous ces... Donc on va parler de cet achat-revente, de ces 40 joueurs, donc il y a vraiment eu des joueurs différents comparé au premier épisode. Donc j'ai tenté de mettre des joueurs plus chers et d'acheter des joueurs plus chers. Comme vous allez voir à la suite, dans la fin, j'ai tenté d'acheter Thiago Silva et, si je me rappelle bien, Sergio Ramos. Si je me rappelle bien. Non, c'est vers la fin. Et ça avait super bien marché. Ça a super marché, j'avais fait des gros bénéfices, bah comme là, vous voyez, j'ai liste Muriel. Donc pas trop cher, tu vois, je me fais 200 de bénéfices, mais c'est bien. Voilà, Thiago Silva, je l'ai acheté 8800, et j'essaie de le vendre à 1000, à 1000 de plus. Et ça a marché, hein, vraiment, j'ai été content, ça avait bien marché, impeccable. Surtout aussi, le meilleur de l'achat-revente, c'est Alexandre Pato, les gars. Alexandre Pato, ce joueur, à chaque fois, je le mets en achat-revente, les gars. Une heure, vous le mettez une heure en prix de départ en tuerie, il part direct. Il part direct. Vraiment, Alexandre Pato, c'est le plus dans les achats-reventes. Il part direct. L'heure que je peux vous conseiller, c'est les Draxler, Pato, Thiago Silva. Il marche très bien parce qu'il est parti vite. Sergio Ramos aussi. Vraiment, dans tous les achats-reventes que je suis en vidéo, essayez de noter tous les joueurs. Tous les joueurs que j'ai listés. Et vous faites les mêmes joueurs. Vous faites les mêmes joueurs et vous verrez que ça marche super bien. Donc là, 550 000 crédits, on retient bien. Parce que là, normalement, on va bientôt passer sur la vente de mes joueurs. Donc, ouais, c'est bon. Il y avait des joueurs, j'ai dû lister un peu moins, genre Danilo, quoi, Gomez, ça aussi. Mais voilà, quoi, c'était genre 100 de moins, quoi, c'était pas énormément. Vraiment, j'ai tout vendu avec du bénéfice. Voilà, c'est pour vous dire que cette deuxième partie, les gars, elle avait super bien marché. Voilà, je vous fais un petit retour comme ça, les joueurs, hein, pour bien que vous vous rappelez des joueurs. Donc voilà, 550 000 crédits.
Hein, parce que j'ai acheté des crédits aussi sur internet, hein, faut se faire plaisir, les gars. En ce moment, c'est pas trop cher. Et vu que je commande chez Crédit Fut, PayPal et Starpass, hein, la page Facebook que je vous conseille, le lien de la page sera toujours dans la description et sera toujours en intro. Voilà, donc vous voyez 550 000 crédits avant. Et là, on passe aux 600K. Aux 600 000 crédits, les gars. La team kebab. Hashtag team kebab, les gars. Y'a que ça de vrai. Eh ouais, les gars. 50 000 crédits bénéfices. C'est qui le papa? C'est qui le papa? C'est qui le kebab ici? C'est moi le kebab. C'est moi le chef. Vous faites partie de la team. T-E-A-M. K-E-B-A-B. Team kebab. Easy, ma gueule. Vous voyez? Voilà, je vends. J'ai bien vendu, j'ai été satisfait. Vous savez, genre que voilà, j'ai acheté 1000, 2000, 3, je l'ai rendu 1000, 5, 1000, 6. Voilà quoi, c'était du bénéfice. Aussi, là, j'ai pas compris que je virais mes joueurs, genre je virais Cavani et je le retrouvais. Comme Koscielny, je l'avais viré et là, je le retrouve. C'est vraiment en ce moment, hier, moi, je sais pas. Les serveurs cette année, c'est de la grosse merde. Je sais pas d'où viennent leurs serveurs de Bangkok, voilà, du trou perdu de mon cul. Mais sincèrement, leur serveur c'est de la grosse merde. Ah non, mais sincèrement, les gars, faut arrêter quoi. Faut arrêter, les serveurs, on paye 70 euros le jeu. Plus, attends, imagine eux qu'ils achètent un abonnement de FIFA là, le Season Pass. Donc, ils payent 100 euros passés pour avoir des serveurs comme ça. Ah, pour avoir des serveurs comme ça. Avant, c'était gentil, hein, ils donnaient des packs gratuits, mais maintenant, c'est va te faire enculer, t'as le droit de donner des packs gratuits. Ah, maintenant, c'est ça, les gars. Maintenant, c'est ça. Et bon, j'espère quand même retrouver un bon serveur sur FIFA 15. Espérons, parce que là, ça va me gaver, ça va me gaver. Bon, c'est plus maintenant, parce qu'avant, il y avait le bug des recherches de joueurs. Là, ça va, ça marche. Mais bon. On va pas se plaindre, c'est la fin de FIFA 14, c'est normal qu'ils sont sueurs, hein, les employés là. Mais bon, c'est ça, c'est la vie. On va pas se plaindre. Allez les gars, c'était Kebab. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire. Tout ce que vous voulez. J'y répondrai sans aucun souci. Allez les gars, hashtag Team Kebab. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je répète le. Et man, allez, salut les gars, et à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.